l'histoire à la brocante est venue s'insérer en 1970 comme, on peut le dire, la seconde activité de Chatou derrière les usines Pathé Marconi, c'est-à-dire que la foire à la brocante attirait entre 80 000 visiteurs par salon. Et elle a représenté une source d'activité, mais une source d'activité qui s'insérait totalement dans le paysage et dans l'histoire de Chatou. La foire à la brocante a été, on peut le dire, a porté l'image de Chatou, bien avant les impressionnistes au XXe siècle. La foire de Chatou est partie du boulevard Richard Lenoir à Paris, et elle s'est installée à Chatou, et elle a été connue très rapidement dans le monde entier. Le train est arrivé dans les années milieu du 19e, est arrivé à Chatou et déversait tous les dimanches donc les Parisiens qui venaient se détendre, faire du sport, qui venaient en famille, qui venaient seuls ou avec des amis ou avec leur conquête du moment. C'est l'époque aussi où on a vu apparaître des peintres impressionnistes. De Chatou s'est construite, s'est modernisée grâce à l'arrivée du chemin de fer en 1837. Chatou a été la première gare intermédiaire sur la ligne de la compagnie de chemin de fer Paris-Saint-Germain, qui a été inaugurée le 24 août 1837. Et en octobre 1837, Chatou a fait partie des premières gares intermédiaires avec Nanterre en provenance de Paris. Alors cette ligne a une importance capitale, c'est le cas de le dire, pour la ville, puisque c'était la première ligne exclusivement de voyageurs en France, et c'était la première ligne de voyageurs en Île-de-France. Donc elle a permis, à partir du moment où le chemin de fer est arrivé, eh bien les Parisiens ont commencé à s'évader de la capitale, qui était, dont les travaux d'ailleurs ont démarré sous Haussmann 15 ans après, et pour venir passer le week-end à Chatou. Donc c'est dans les années 1980, 85, 90 que ce hameau est enfin ressorti de son silence, on peut dire, et a réapparu plus resplendissant évidemment que jamais. Et donc un groupe de passionnés, on va dire, par la navigation, par le bois aussi, s'est mis en tête, connaissant le projet Fournaise, s'est mis en tête
de retrouver et de restaurer les bateaux qui naviguaient à cette époque-là. Alors, la foire à la brocante s'insérait totalement dans le paysage et dans l'histoire de Chatou. Elle a repris un petit peu d'une certaine manière, peut-être que vous trouverez que c'est une digression, mais elle a repris un petit peu le fil du déjeuner des canotiers de Renoir. C'est-à-dire que c'est un moment où on profite de la vie, où on a une convivialité, où on découvre de très belles choses. Ce qui est proposé par la foire à la brocante est toujours très divers, à la fois en termes de mobilier, d'archives, d'objets, enfin tout ce qu'une foire peut offrir. Son étendue est telle qu'elle est vraiment, elle reste encore aujourd'hui la première foire en Europe à la brocante, et elle attire toujours de nombreux visiteurs. Elle fait partie de l'âme de Chatou. Il faut dire, on ne peut pas concevoir que cette foire quitte Chatou. Elle est totalement inscrite dans l'histoire de l'île. Et maintenant, elle est inscrite dans l'histoire de la ville au même titre qu'une institution. On n'imagine pas que cette foire puisse disparaître un jour. Elle connaît bien sûr forcément des difficultés. Mais elle a toute sa place. Et on est très heureux, nous, à Chatou, de pouvoir l'accueillir encore aujourd'hui. Non seulement les habitants venaient acheter du mobilier à la foire de Chatou, mais très rapidement c'est devenu la foire la plus importante d'Europe, et on a la chance d'avoir cette activité qui a failli disparaître en 1994 et dont je m'honore d'avoir soulevé l'intérêt en organisant une pétition de 3000 signatures pour qu'elle reste à Chatou, avec l'association Chatou Notre Ville à l'époque. Cette foire a été connue mondialement, mais très rapidement. On a eu des quarts de touristes qui venaient à la foire de Chatou. C'était la plus grande foire d'Europe, on y trouvait tout. Elle a cet aspect extrêmement sympathique, où on a la brocante, où on a la restauration, où on a toute une ambiance qui s'inscrit bien d'ailleurs dans l'histoire de Chatou. Elle a une particularité, elle entretient un savoir-faire, elle entretient la qualité de l'artisanat, elle entretient le souvenir aussi, et puis elle est aussi le témoin des richesses du passé par les produits qu'elle propose, et puis d'une forme de convivialité, je ne vous cache pas, qui est absolument primordiale et qui est plébiscitée par les habitants. Lorsqu'on va à la foire de Chatou, on passe un moment très sympathique et on a hâte d'y revenir. C'est toujours un moment très agréable. Et la foire se maintient maintenant depuis plus de 50 ans. Elle a été la première image de Chatou avant que l'on sauve la maison Fournaise dans les années 1980, qui a porté l'image de Chatou à travers le monde puisqu'elle est connue dans le monde entier.